Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'est le matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, des petites craquinettes avec du Madame Loïc et again and again, la 10e infusion entre hier soir et ce matin. La nuit je suis assez compliquée, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression de toute façon quand t'as un rhume ou quoi, la nuit c'est pire, hein, forcément parce que t'es allongée. Vous pouvez le voir à ma tête, à mes yeux rouges, à mon nez rouge, ça ne s'est pas arrangé. Du coup là aujourd'hui, programme, on va se préparer, il faut que je monte le vlog d'hier, il sera déjà en ligne à l'heure où vous regardez ce vlog, donc je vous le mettrai juste ici. Donc je vais m'occuper de ça. Ensuite on a rendez-vous chez le gynéco à 13h. Et puis ensuite on doit passer à la fac pour Samuel. Et j'ai des copines qui viennent cet après-midi me rendre visite. Et voilà, je crois que c'est le programme du jour. Moi après cet après-midi il faudrait que j'arrive à faire quelques mails, puisque du coup j'ai laissé traîner étant donné que j'ai fait du montage ces derniers jours. On a reçu plein de colis, je les ai pas tous ouverts. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça avant de partir, je suis pas sûre. Bref voilà, de toute façon je vous emmène avec moi, c'est parti dans cette nouvelle journée. Bon, ce matin c'est la livraison des colis. Et Sam il a trop envie de voir celui-là. Celui-là apparemment c'est un de mes cadeaux de Noël. Ça c'est un de tes cadeaux de Noël. Oh c'est trop chou. Ah il s'est vraiment fait chier. C'est la vidéo de notre mariage. Mais attends, elle est taille de beau, il a fait une mise en scène et tout le mec. Du coup voilà, c'est Lucas de My French Memories qui avait fait le film du mariage que je vous avais mis sur le sur ma chaîne YouTube. Le tout petit format. Et ça c'est le gros film de 20 minutes du coup. On va le regarder maintenant. Il est trop content. Il est midi 14, on part chez le gynéco. Voilà, donc je me suis maquillée. Je crois que même avec du maquillage, j'ai l'air encore plus malade que sans quoi. J'ai mis 4 tonnes de blush en me disant il faut que ça me redonne des couleurs, mais apparemment ma peau elle a dit il n'y a plus rien à faire. On sort de chez le gynéco, voilà, tout va très bien. Bébé. Tout va bien. Bébé est en parfaite santé. On n'a pas pu voir sa petite bouille parce qu'il nous tournait le dos. Il avait la tête dans l'autre sens, mais voilà, on a vu tout ce qui était important. L'important c'est qu'il aille bien. J'ai eu l'ordonnance du mois prochain, du coup c'est juste toxo et truc urinaire là. Donc il n'y a pas le glucose. I am so happy. Il m'a dit que mes analyses étaient parfaites et que voilà. Donc voilà pour la petite nouvelle. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, dans le monde de Baby Chou. Et je vous retrouve, il est 16h17, je suis avec mes copines. Arrêtez, on va vous prendre trop pour les associations. On a toutes les deux sur leur téléphone. Ouais, c'est chaud. Et du coup, Emma m'a sauvé la vie. Bon, Mathilde avait commencé et Emma a terminé. C'est pas bon. A fermé toutes les enveloppes des cartes des remerciements. Pour le mariage. Bon, vous allez croire que j'ai des actions chez eux, mais pas du tout. Je vous promets, j'ai payé mon tapis de fleurs. Maintenant, c'est Mathilde qui l'essaye. Alors, ça va. Les premières minutes, ça fait un peu mal, mais là, je commence à sentir un bien. Samuel, il arrive maintenant à s'endormir dessus. Non, mais le pire, apparemment, maintenant, il me dit, moi, j'ai plus mal quand je m'y mets, mais j'ai mal quand je m'enlève. L'idée, c'est que ça te détende. Après, je filmerai les petits points dans le dos pour que tu vois. En plus, toi, t'as la peau bien blanche, donc ça va se voir. C'est toujours impressionnant un peu le après. Mais ça va, ça fait pas mal, hein. Ouais, je me sens, tu te sens détendu. Tout chaud. On a reçu quelques colis aujourd'hui, du coup je voulais vous faire un unboxing des petits trucs du jour, voilà. Donc notamment ces petites cartes qu'on avait commandées pour les remerciements du mariage. Comment vous dire qu'il serait temps, hein, parce qu'en fait on s'est quand même marié en septembre. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais, donc j'aime trop cette photo en fait. C'est une de mes préférées et du coup je suis trop contente, ça rend trop bien. Et on a commandé sur un site qui s'appelle Popcart. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. J'ai reçu aussi la coque pour mon téléphone, puisque celle-ci c'est vraiment mes préférées. Vous me demandez tout le temps d'où viennent mes coques de téléphone. C'est uniquement cette marque, parce que pour moi c'est vraiment celles qui protègent le mieux et qui sont les plus jolies. Donc voilà, je l'ai commandée sur Boulanger celle-ci, mais c'est cette marque Sonix. Et elles sont pas données, mais franchement pour moi c'est les meilleures. Et ensuite, la partie la plus cute de l'unboxing. Bon, ça c'est pas très cute. C'est une crème pour l'allaitement, donc la crème Lancino à la lanoline. Avec le nez bouché, c'est très compliqué à prononcer. Et c'est à appliquer donc après les tétés pour pouvoir voilà, soulager les petits mamelons. Et c'est 100% naturel, donc bébé peut téter directement après dessus. Vous n'avez pas besoin de rincer vos tétons. Voilà, vous avez compris. Je sais pas si c'était très clair, je vous dis, je suis un peu ralentie. Et ces petites merveilles que j'ai commandées sur Etsy, parce que je cherchais des brassières en laine, puisqu'ils en demandent dans la valise de maternité. Quand ils sont tout petits, ils ont souvent froid, donc voilà, c'est sympa d'avoir des petites brassières. On en a pris une grise et une blanche, et elles viennent d'une petite couturière sur Etsy, donc elles étaient à 14€ pièce je crois, et c'est de la laine spéciale pour bébé qui gratte pas, c'est tout doux, ça me paraît minuscule, c'est trop chou. Donc voilà, c'était le petit unboxing du jour. Bon mes petits cœurs, je vous retrouve à 18h40. Mais j'ai des yeux, tu sais à quoi je ressemble? Je sais, j'ai trouvé en fait, tu vois les lapins russes dans les laboratoires là, les lapins blancs qui ont les yeux rouges, c'est moi. Ouais, peut-être.
Regardez. Du coup, Mathilde est toujours là. Elle a survécu à son champ de fleurs. C'était bien, ouais, c'était très très bien. Ça t'a détente. Un peu fatiguée, mais détente. J'avais des vieux trucs dans le dos. Je pense que vous verrez ça. Et je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. Ça fait genre, une chaleur intense. Ça fait genre tapis chauffant, tu me disais. Moi qui voulais un matelas, un siège chauffant maçon à Noël. C'est pas le même délire. Tellement mamie. Mais c'est le feu. Mais ça s'adapte. Non, franchement, apparemment, Samuel il le fait 20 minutes par jour et il me dit que ça lui fait du bien au dos. Désolée, je dois renifler toutes les deux secondes dans ce vlog, c'est pas du tout glamour. Samuel est en train de regarder Harry Potter pour changer, je sais pas, là il se fait une grosse période Harry Potter, je crois que c'est le passage de Becca, ça l'a complètement remis dans le mood. Mes petits cœurs, je vous retrouve, il est, quelle heure est-il, 20h, mes copines sont parties. Sam il m'a fait couler un bain. J'ai demandé à mon gynéco, il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis, que si ça me détendait il fallait que je le fasse. Donc pour ceux qui m'avaient demandé, la baignoire elle se présente comme ça. C'est une baignoire que j'ai achetée sur internet, franchement on en est super content. C'est de la bonne qualité pour l'instant, c'est top, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en fais vraiment rarement, mais c'est vrai que là avec la grossesse je suis bien contente de l'avoir. Bon, on dirait un peu des psychopathes. On vit dans le noir. Mais du coup on voit trop le sapin, c'est trop beau. C'est le vlog et la lueur du sapin, je suis désolée, je dois être flou, l'image doit être dégueu. Bon, on m'a convaincue de manger quand même un petit bout parce qu'il fallait prendre des forces. Et le truc qui me faisait trop envie c'était des brocolis. Puis allô. Donc voilà, ça va être ça au menu ce soir. Brocolis et des petits raviolis. Ça fait pas rêver pour certains, mais je peux vous dire que moi je kiffe. Voilà la définition du bonheur. Des brocolis bien verts et des petits raviolis. Et Sam il mange des fruits. Une salade de fruits. On est un couple bizarre ce soir. Hein. Mmh. Mes petits cœurs, il est 22h et on a fini de manger. Du coup, je vais aller me coucher, je vais terminer le vlog ici. Je suis désolée parce que je pense que ce vlog n'aura pas du tout été très intéressant. Je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas vraiment prendre le temps de me reposer. Tant pis, je sauterai quelques vols masse, mais voilà, je pense que cette année, certains comprendront que c'est une année un peu particulière. Ma santé passe avant tout, quoi, surtout en ce moment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je vous dis à demain ou si je vous dirai du coup à mardi et que je reprendrai, que je recommencerai à vlogger que lundi du coup. Ce sera mardi pour vous, enfin bref, vous comprenez. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.